Salut à tous les heureux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo de glitch pour dupliquer les quads, le Blazer Street. Et ouais, pour dupliquer tout simplement quoi. Donc voilà. Donc pour ce faire, déjà pour commencer, vous allez devoir mettre ce 4x4 là dans votre QG. Et ouais, il faut un gros véhicule absolument. Donc soit le 4x4 là, le Slanking XL ou le Slandin SWB, je sais pas quoi là. Mais dans tous les cas, faut que ce soit un gros 4x4. Alors pour le rentrer, déjà, il faut pas le faire avec un garage 10 places. Faut soit un garage 2 places ou un garage 6 places. Avec le garage 10 places, ça fonctionne pas. Donc vous remplissez un garage 2 places ou un garage 6 places avec votre 4x4 bien sûr à l'intérieur. Une fois que votre garage est rempli, vous revenez dans votre QG, vous appelez une moto de votre QG et vous ramenez la moto dans le garage où il y a votre 4x4. Et quand vous allez le ramener, comme votre garage est plein, automatiquement ça va faire votre garage est plein, vous devez échanger contre un autre véhicule. Et vous échangez votre moto contre le 4x4. Comme ça le 4x4 il va spawner ici dans votre QG. Et une fois que c'est fait, ben je vais vous expliquer la suite. Mais surtout, c'est soit garage 2 places ou garage 6 places. Parce que garage 10 places, ça fonctionne pas. Et il faut que le garage il soit rempli. Ben, un garage 2 places et 2 voitures, un garage 6 places 6. Donc ouais, voilà, après dans tous les cas c'est vite fait à remplir. Une fois que c'est fait, vous devez mettre le Slanking XL à la 7ème place et le quad à la 6ème place comme ça. Vous devez bloquer le 4x4 comme ça. Donc ben vous, au pire si ça fait pas comme ça, ben vous changez de place et vous remettez le place comme ça et à force vous inquiétez pas, ça va se bloquer. Une fois que c'est fait, vous allez sur votre quad. Et ouais, pour que ça marche, quand vous devez monter sur le quad, le bonhomme il doit se téléporter comme ça. Il doit pas monter manuellement. S'il monte manuellement, ça va pas fonctionner. Le bonhomme il doit se téléporter pour monter sur le quad. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur Start et accélérer en même temps. Alors je vais le faire. Bah c'est un peu galère à faire, je vous préviens, mais une fois que vous avez trouvé la technique, ça va aller. Donc pour voir si ça fonctionne, vous allez sur Play Store. Si ça fait ouvert, c'est que ça peut fonctionner. Il faut que ça fait Play Store fermé. Donc je vais vous faire voir. Ouvert, non. Ouvert, non. Ouvert, non. Ouvert, non. Bah c'est le premier qui est galère à faire. Après, à chaque fois que vous allez refaire, vous allez voir, ça ira plus facilement. C'est le premier qui est galère à faire en fait. Voilà, une fois que c'est comme ça, vous appuyez sur Start et vous sortez automatiquement de votre quad. Vous descendez directement. Ou sinon, si vous mettez un peu de temps, ça vous fera sortir du garage. Donc ça vous fait sortir du garage, c'est que vous n'avez pas été assez vite. Une fois que vous enlevez Start, vous faites directement triangle. Une fois que c'est fait, vous allez sur le rond bleu. Vous faites ça, vous allez sur votre quad et vous échangez votre quad avec le premier Fadio qui est en face. Donc tac, 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 voilà, ça c'est fait. Mais vous allez voir, le quad il est toujours là-bas, hein. Ça n'a pas changé, vous inquiétez pas, mais c'est normal. Une fois que vous avez fait ça, vous remontez sur votre quad, vous faites flèche de droite pour modifier votre véhicule. Vous rentrez dans le custom. Vous changez la plaque d'immatriculation. Vous ressortez. Et voilà, là c'est dupliqué, mais le truc c'est que le Fadio il est encore là, il est pas transformé en quad. Mais regardez, je vais aller sur le truc bleu. En fait, pour qu'il se transforme en quad, il faut que vous sortez de votre garage et que vous rentrez. Et je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors déjà regardez, là j'ai deux Blazer Street. Le Fadio, regardez, il y a le nom du Blazer Street. Donc soit vous enchaînez, vous continuez comme ça et vous attendez la fin pour sortir et vous rentrez. Mais là je vais vous faire voir tout de suite. Donc regardez, au bout c'est le Fadio rose à terre. Et je vais sortir, je vais re-rentrer. Et ce sera le quad. Hop. Hop, voilà. Et voilà, regardez au bout, c'est le quad. Vous avez bien vu. Donc là, je vais continuer. Je vais enchaîner. Et comme ça, je vais faire voir. Et surtout, il y a le bypass. Ça fait, vous pouvez vendre à la suite. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 45 minutes. Donc là, faut que je replace bien le Slanking XL par contre. Je vais mettre le Fadio là à la place. Je sais pas s'il est bien placé là.
Oh, peut-être, on verra si ça fonctionne. Non, je peux pas me mettre dessus, non, il se téléporte pas. Non, faut que je le place mieux. À moins que ça fonctionnait comme ça, je pense pas. Ah si, peut-être. Ah si, c'est bon. Bon bah voilà. Donc là, Star. Bah moi j'ai la technique en fait. J'appuie sur Star, mais je maintiens Star. Ça fait le temps que je maintiens Star, le menu Star il s'affiche pas. Et une fois que je relâche Star, j'accélère en même temps. Parce qu'une fois que je relâche, ben le menu il va s'afficher en fait. Comme là, regardez, j'appuie, mais comme je maintiens Star, le menu s'affiche pas. Ça fait au moment où je relâche, j'accélère en même temps. C'est ma technique à moi. Hop. Ouvert. Non. Bah là c'est parce que je suis sorti entre deux, c'est pour ça que c'est galère. Mais quand vous sortez pas, et ben au deuxième duplication ça va tout seul. Je vais vous faire voir après. Voilà, alors là, Star, triangle direct. Voilà, vous descendez, vous allez sur le rond bleu, comme d'hab. Vous échangez de place votre blazer avec le Fadio. Hop, voilà. Mais sauf que le blazer en réalité change pas de place, il reste toujours là. Après, vous remontez sur votre blazer. Vous allez dans le custom, direct flèche de droite. Surtout, sortez pas. Parce que ça va tout niquer si vous sortez. Réparer, changer plaque. Et voilà, c'est tout. Et vous ressortez. Et là, je vais enchaîner, comme ça, je vais vous faire voir. Voilà. Donc là, je descends. Hop. Donc c'est normal, c'est quand je vais sortir du garage qu'il va se mettre. Hein. Mais vous allez voir, il y a le nom. Donc là, je remonte dessus. Je fais Star, R dans le même temps. Et regardez, là, c'est direct. Je redescends. Je vais sur le rond bleu. Et là, j'enchaîne en fait. Et c'est après, c'est toujours la même manière. Vous remontez sur le quad, flèche de droite, changez la plaque d'immatriculation. Mais c'est toujours le même baratin, hein, la suite. Vous descendez, hop, vous remontez, hop, Star, R dans le temps, hop, Star, triangle direct. Et c'est normal que les Fadio ils sont pas encore transformés. Comme je vous ai dit, il faut sortir et re-rentrer pour qu'ils se transforment vraiment. Mais regardez les noms, ils sont là, regardez, j'ai déjà fait deux duplications. Franchement, c'est un bon petit glitch. Celui qui l'a trouvé, il a assuré. Ah, c'est un Américain qui l'a trouvé. Bon, j'ai bientôt fini. Bon, reste un ou deux à faire. Deux. Là, après il m'en reste plus qu'un et c'est bon. Vous allez voir quand je vais sortir, quand je vais rentrer. Et ben tout sera transformé en quad. Et les quads vous les vendez sans bas moi le mien, personnellement je le vends 137 000.
Mais moi j'ai pas mis le béquet, si vous mettez le béquet vous pouvez le revendre encore plus cher, c'est parce que le béquet moi je trouve pas ça très beau sur un quad. Parce qu'un quad c'est pas fait pour mettre un béquet. Donc voilà. Et voilà, regardez. Le dernier Fadjo. Ah ouais, si par exemple ça vous fait ça que tout disparaît, surtout c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Parce que souvent ça me fait ça avec le dernier, surtout paniquez pas, vous sortez, vous rentrez. Bah ça tombe bien que ça l'a fait comme ça au moins. Vous verrez bien. Parce que ça me l'a fait tout à l'heure justement, je me demandais quoi, je me dis bah merde, le glitch a été patché ou quoi? Mais non en fait, il a pas été patché. Et ça me l'a fait exactement avec le dernier. Comme par hasard. Et regardez, tous mes quads. Et voilà. Tous les quads ils sont transformés. À part le dernier, il est là-bas. Il faut que je les change et que je le refasse. Bon bref, ça je ferai ça après en fait, je vais vous faire voir vendre les quads. Parce qu'en fait le principal vous l'avez vu. Et voilà. Et maintenant bah, vous vendez les quads. Je vais vous en vendre deux d'affilée pour vous faire voir que on n'est pas obligé d'attendre 45 minutes. Parce que depuis tout à l'heure j'en vends d'ailleurs. Oh. Voilà, 137 137. Bon, calme-toi, toi. Par contre, ça fait un carnage avec tout ça. Et voilà. Mais putain! À chaque fois, faut qu'il y a quelqu'un qui passe là. Casse les couilles ces germes là. Ils servent à rien. Et voilà. Bon ben. Là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera surtout à faire de l'argent. Voilà, vendre. Et voilà, regardez. Sans bypass, là, j'aurais dû la réparer avant. Voilà, il y a le bypass, pas obligé d'attendre 45 minutes, donc voilà. Bon bah sur ce, je vous dis bye à tous, ciao et à la prochaine pour notre vidéo. Allez, ciao tout le monde.